fourche à deux dents, évidemment, comme la fourche bêche traditionnelle à quatre dents, sauf qu'elle est raccourcie. Elle va vous servir à passer beaucoup plus facilement dans les petites surfaces et toujours avec la même force de pénétration que la fourche bêche. Deux repose-pieds aussi bien gaucher que droitier, manche en premium frêne légèrement courbée. Donc n'hésitez pas, c'est le même système de fixation que pour le spork. Donc voilà, vous avez, bon, hein, tout simplement, on enfonce, on bascule. Elle va vous servir aussi à casser de la motte pour avoir une terre bien lisse. Ici, vous voyez, on a pile poil l'espace entre les deux végétaux. Et juste ce petit mouvement-là qui n'a l'air de rien, mais vous évite un arrosage. Parce que biner, sarcler, décompacter la terre autour des végétaux, c'est arroser deux fois. Voilà, donc très très bel outil. Vous pouvez aussi faire de la prêle, vous pouvez aussi faire du chardon, du rumex. Toutes les plantes qui vont avoir un système racinaire de plus de 6 cm de diamètre, vous allez pouvoir sans aucun souci, voyez, le soulever. Et là vraiment, comme tout à l'heure avec le tire-racine, enlever l'intégralité du système racinaire. Donc ça c'est très bien, c'est un très bel outil, on vous le conseille si vous êtes en carré potager ou en potager de petite surface, ou si vous avez des parterres de plantes, soit en vivace, soit en arbuste, assez resserré, ou c'est difficile d'arriver avec des outils assez larges. Voilà, ça c'est un très très bon outil.